Salut à tous, c'est JudgeDead1201. Donc, alors cette fois-ci, donc c'est une petite vidéo détente, hein, donc sur un gameplay de Call of Duty Black Ops. Donc c'est un gameplay que j'aime bien. Donc voilà. Je voulais en profiter donc pour remercier quelques personnes. Donc je tiens à remercier Darkside Blanc qui m'a mis des commentaires pour me dire comment un petit peu m'améliorer pour faire des vidéos vraiment meilleures. Et donc voilà, je te remercie beaucoup. Et un autre, donc Cybertech ou Sixbertech, je sais pas si je prononce bien, tu me dises un peu si je prononce bien. Voilà, donc parce que tu m'encourages vraiment à continuer à faire mes vidéos. Et c'est vraiment quelque chose, voilà. Puis tous les autres qui me laissent de bons commentaires et voilà. Et puis le peu d'abonnés que j'ai pour l'instant. Et j'espère que pour l'instant, les abonnés que j'ai, que vous allez vraiment essayer de parler de mes vidéos autour de vous. J'aimerais bien vraiment me faire connaître dans ce monde-là qui est les testeurs sur YouTube. Et vraiment essayer de que ça se prolifère et que vraiment ça devienne quelque chose de vraiment passionnant. Alors, donc, ça c'est un petit peu une petite vidéo donc pour faire patienter pour le gros test que je compte faire dans peu de temps. Donc c'est voilà, Call of Duty Black Ops. Bon, c'est pas le meilleur Call of Duty du monde, hein. Bon, inutile de le présenter, je pense que tout le monde le connaît. C'est pas le meilleur Call of Duty du monde, mais bon, je m'éclate assez bien dessus. Alors, en ce qui concerne donc ce que je joue donc avec l'AK-74U, avec double chargeur, et le Magnum, je crois, Magnum double chargeur aussi en deuxième arme, avec Claymore, et comme et j'utilise les grenades para plus une frag. Comme atout, j'utilise passe-passe marathon poids léger. Voilà, donc c'est une classe que j'aime bien. C'est bon, j'aimerais pas trop qu'on me dise ouais, c'est une classe de noob, tout ça. Moi je dis dans Call of Duty, voilà, je joue premièrement, je joue pour le plaisir. C'est pas si je perds, voilà, ce sera pas, je vais pas rager comme un voilà, je vais pas énormément rager. Bon, vous pouvez le voir, hein, je crève assez souvent, donc je suis vraiment pas du tout un PGM là-dessus. Mais bon, je me débrouille assez bien. Je fais pas des sales coups de pute. Je suis pas un campeur dans ce genre de jeu. Je reste pas dans mon coin à attendre qu'il y en ait un qui passe. Comme vous allez le voir dans cette vidéo, il y en a forcément un. Je crois qu'il y en a un, il va vraiment camper. C'est ce genre de joueur que j'aime pas. Et je trouve que ce soit dans Call of Duty Black Ops ou même dans Modern 2. Que j'ai pu jouer un petit peu chez un copain, parce que j'ai pas Modern Warfare 2, oui, je sais, quel sacrilège, c'est une honte, mais je compte réparer cette erreur et en faire l'acquisition. Mais voilà, moi je trouve que faut pas jouer comme ça, ouais. C'est ça qui enlève le plaisir de jeu, c'est que vraiment... Donc oui, bon, c'est pas Modern 3. Modern 3, je trouve que... Bon, je vais pas... Voilà, Diablox 9, donc... qui est un super testeur d'ailleurs, que je passe le bonjour si jamais il regarde mes vidéos, il en a parlé donc dans ses vidéos sur vraiment le temps de latence. Alors au départ j'étais pas forcément d'accord avec lui, mais plus j'y joue à Modern 3, plus ouais, je me rends compte que finalement ouais, il y a vraiment un temps de latence, et puis il y a eu sa vidéo qui l'a vraiment prouvé, et j'ai vraiment vécu ça de mes propres yeux, donc c'est vraiment quelque chose qui est assez agaçant. Donc c'est pour ça, je joue encore sur Black Ops. Bon, je suis pas un grand niveau, parce que j'avoue que je l'ai un peu lâché, Black Ops. Et ces temps-ci, bah, je m'y suis remis. Voilà, je me suis dit, tiens. Et puis, bon, finalement, j'étais encore plus nul que ça. Hein. Là, j'ai enchaîné les kills, j'ai même eu l'honneur de faire la kill cam de fin, donc ce qui est pas une mauvaise chose. Là, je suis plus dans les scores, je suis déjà à 12-4. Voilà, c'est assez raisonnable, à mon avis, hein. Voilà, donc toutes les personnes que j'avais citées, que ce soit Darkside Blanc ou Cybertech, voilà, que j'ai rencontré, donc Cybertech que j'ai rencontré sur jvideo.com, et Darkside Blanc, donc qui m'a donné, voilà, qui m'a demandé un ami, je sais plus, ouais, sur une partie de Call of Duty apparemment. Et je sais plus ce que je voulais dire, oui, pour ceux donc, si jamais il y en a, hein, qui veulent mon ID PSN et mon gamertag sur Xbox, je le mettrai dans la description,
Et comme ça, ça voilà, vous pourrez me demander en ami. J'ai encore de la place, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je tiens à dire que si je vous accepte comme ami, c'est. Pour moi, voilà, le jeu vidéo, c'est quelque chose de. Voilà, c'est une communauté, je veux dire, on va pas s'énerver voilà, sur Call of. Je cherche pas des gars voilà, qui font ouais, t'es trop nul et tout, attends, t'arrêtes pas de crever et tout. Voilà. Je cherche pas à être vraiment un mec super fort dans les jeux vidéo. Hein. Enfin, je m'améliore. Ouais, voilà. Enfin, voilà, parce que j'ai souvent subi des critiques là-dessus. Et je trouve ça un peu saoulant, quoi. Faut pas, voilà, faut pas avoir honte de mal jouer. Voilà, moi, je joue mal. Voilà, tant pis pour moi. Là, on en est bientôt à la fin. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc très bon gameplay. Je sais, tout le monde va dire que l'AK-74U est une arme. Ah, excusez-moi, je bafouille. Est une arme cheatée. Moi je dis, ouais, t'as une arme, tu peux la prendre. Enfin, je prends un peu tout ce qui tombe, tout ce que j'utilise pas, ce que j'appelle arme de technique de noob. Ça peut être genre j'utiliserai un lance-patate sur un gars quoi, à bout portant. Ça c'est le genre de truc qui se fait pas trop. Hein. Mais je tombe quand même sur Black Ops, même sur Modern 3, je tombe sur des gens qui le font. Ça m'énerve ça. Enfin voilà quoi. Voilà, regardez, lui il campait comme un gros loser. Donc c'est ce genre de joueur que j'aime pas. Alors lui, hop, voilà. J'en suis, regarde mes scores, 18-9, je suis deuxième. Voilà, il en reste quelques-uns et je crois que voilà, ça va être la fin. Le kill final, bon, excusez-moi, je parle pas beaucoup sur cette vidéo. Mais c'est vraiment, voilà, je voulais vraiment dire ces mots-là, c'est juste histoire de parler. Voilà, j'ai eu le campeur en kill cam de fin. Voilà, bon bah c'était voilà une petite vidéo pour vous expliquer 2-3 choses. Au plus, je ferai peut-être donc des. Bon celui-ci il était pas en live, hein, mais je ferai peut-être des commentaires live donc sur Modern 3 ou sur Black Ops. Voilà, si vous voulez, vous me mettez ça dans les commentaires. Et puis bon bah je vous dis à bientôt. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit j'aime, et c'est vraiment un petit commentaire et essayez vraiment d'en parler autour de vous, ce serait vraiment pas mal. Voilà, bon, ben sur ce, ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas quand, je sais pas sur quel jeu. Sûrement sur la grosse que je vous avais promis. Voilà, bon, ben, à bientôt. Salut à tous, prenez soin de vous. Ciao.